Nîmes 13e accueille Niort 11e. Les deux équipes sont à égalité de points. Sissoko est toujours suspendu pour les Crocos. Omrani est blessé. Côté Niortais, le groupe est quasiment au complet. C'est à l'avantage de Régis Brouard. Les Niortais espèrent faire un résultat à l'extérieur. Eux qui sont sur 2 défaites et sur 4 matchs sans victoire. Niort n'a d'ailleurs jamais gagné cette saison à l'extérieur. 3 nuls et 3 défaites. C'est l'un des plus mauvais bilans à l'extérieur en Ligue 2 cette saison. Nîmes de son côté est sur 2 défaites sans avoir marqué le moindre but. 1 victoire sur les 5 derniers matchs. Cette rencontre est donc importante pour les deux équipes. La première opportunité de Malcuit est assez timide. Mais ce sont quand même les Niortais à l'extérieur qui sont les plus offensifs. Superbe tête de Sédou Koné. L'ancien attaquant de Nîmes marque contre son équipe précédente. 7e minute, ça fait 1-0 pour les visiteurs. 4e but de la saison pour l'attaquant ivoirien. Une magnifique réalisation. Salah était le buteur de Niort la saison dernière. Il était prêté par Bordeaux. Il est revenu aux Girondins. Et c'est donc Sédou Koné qui marque les buts pour les Niortais cette saison. La réponse de Nîmes est toujours un peu timide. La première période est très convaincante de la part des Chamois. Encore une possibilité pour Sédou Koné. Et le ballon capté par Mathieu Michel. Les Nîmois n'ont eu que très peu de ballons dans cette première période. On s'approche de la mi-temps. Ballon récupéré par Toifilou Maoulida. Et il réussit à placer le ballon entre les jambes de Paul Delecroix. L'égalisation à 1-1 à 1 minute de la pause. Et 4e but de la saison pour Toifilou Maoulida. À la limite du hors-jeu, il bénéficie de ce ballon et réussit l'égalisation qui soulage les Nîmois. Mais attention aux arrêts de jeu de la première période. Dans la foulée de l'égalisation de Maoulida, Sédou Koné s'offre un doublé, 5e but de la saison. C'est le meilleur buteur des Chamois Niortais. Ça fait 2-1. Le score a vite changé. Mathieu Michel n'est pas content. Sa défense était mal placée. Et le doublé de Koné fait très mal au Nîmes Olympique. À la mi-temps, Niort mène 2-1. En seconde période, les joueurs de José Pasqualetti doivent accélérer. Ménior a quelques espaces intéressants à exploiter. Un tir un peu trop croisé empêche de voir le score monter à 3-1. Nîmes a donc toujours une belle chance. Attention à ce coup franc, il est magnifique. Dans le petit filet signé Romain Sartre. Le défenseur s'offre son 1er but de la saison. Et quel but, 57e minute. Ça fait 2-1. Un match très disputé avec des occasions des deux côtés désormais. Nouvelle occasion pour Niort. Il était possible de reprendre l'avantage sur ce ballon, ça n'est pas le cas. Au tour de Nîmes peut-être de marquer un but supplémentaire. Et c'est mal repoussé par Paul Delecroix. Maoulida s'offre lui aussi un doublé à la 88e minute. C'est son 5e but de la saison et il devient le meilleur buteur de son club. C'est la première fois du match que Nîmes prend l'avantage, un avantage définitif. Match à rebondissement et Nîmes s'impose 3-2 face à Niort.